그거 들으면 j'étais en Coupe du Monde, bah, du coup je fais mes qualifs. Hier, comme dit, bah, les finales c'est annulé. Les filles me disaient faut qu'on rentre à la maison. Je savais pas, du coup j'étais toute perdue. On m'avait dit l'INSEP ça fermait lundi. Je suis arrivée le dimanche. Fallait que je fasse vite mes affaires, que je prenne un train et que je rentre chez moi. Du coup j'étais un peu perdue et j'ai pas pris le temps de, je pense, réaliser un peu la chose. Je me lève le matin, en général j'ai cours à 8h30. Je commence la gym à 10h. On a un entraînement le matin de 1h45-2h, fait par nos entraîneurs. Ensuite je mange. Quelquefois j'ai cours l'après-midi à 14h. Pas tout le temps, c'est un peu du travail en autonomie. Ensuite je regarde la télé un peu. Après je me réentraîne l'après-midi vers 15h30, 16h. Entraînement de 2h, 2h30. Et après bah, la journée elle est vite finie hein, quand même. Mes journées sont bien remplies donc. J'étais en Coupe du Monde quand on m'a annoncé qu'en fait c'était annulé. Nous on était tous surpris un peu quand on était là-bas. Mais bon, on n'a pas eu le choix d'accepter. Doha ça a été annulé aussi. Même si je m'attendais à ce que le championnat d'Europe soit annulé, je me suis dit bah à tout moment ça peut quand même bah, aller mieux. Sauf qu'au final bah, on nous a annoncé que c'était annulé. Donc très déçu parce que c'était chez nous à Bercy. Je pense qu'on aurait pu faire quelque chose d'assez incroyable là-bas. Surtout au niveau de notre public et tout, mais bon, après, c'est la santé avant tout, donc bah, pas trop le choix, et puis bah, on saura mieux l'année prochaine. Enfin, bah, du coup, on peut faire que mieux, vu que cette année, bah, on n'aura pas fait grand-chose. Mais... On parle tous les jours avec nos entraîneurs, bah, soit pour le programme, ou soit comme ça, parce que ça me paraît évident et ça me paraît logique. Qu'on entretienne le lien, c'est des gens avec qui on passe toute notre journée, donc il est normal qu'on reste en contact avec eux. Et pareil avec les gyms, on se parle tous les jours, on a un groupe ensemble sur WhatsApp, donc on se parle tous les jours. Je parle plus avec Morgane parce qu'on s'appelle tous les jours pour faire notre programme ensemble, ce qui nous permet de plus nous motiver. Donc. Et aussi bah, j'ai eu au téléphone Laurette, Alizé, Aline et Mélanie il n'y a pas si longtemps que ça. De toute façon, c'est pas compliqué, on n'a pas le choix, faut le garder. Et j'ai surtout hâte de reprendre la gym dans un vrai gymnase. Parce qu'on en fait, mais c'est pas du tout la même chose. Mais j'ai trop hâte de reprendre la gym, de retourner là-bas à l'INSEP et de retrouver aussi tout le monde. Après, bah, ce qui me motive aussi, bah, c'est qu'on repart sur une année olympique, donc faut être en forme et faut garder le cap. Alors, est-ce que j'ai débuté des nouvelles activités? Oui, je lis! J'ai commencé à lire, c'est plutôt cool, hein. C'est même j'aime bien, j'aime beaucoup en fait au final. Pas spécialement, non. Déjà on travaille autrement la gym, donc on fait beaucoup de visualisation, beaucoup de choses comme ça, donc ça permet aussi de revoir nos éléments et aussi regarder nos vidéos pour voir comment on faisait et pour voir aussi, oui certes, on regarde comment on pourrait faire mieux. Mais mon approche de la gym reste la même, juste on regarde plus les détails du coup. Et sinon, surtout, restez chez vous, bougez pas, faites attention à vous et à vos proches. Et on se revoit dans pas longtemps sur les plateaux de compétition. Bisous tout le monde!